que cette crise, ce qui s'est soulevé, c'est une crise qui touche le monde entier. Maintenant, comment est-ce que chaque pays va se démerder pour maîtriser les conséquences de cette crise? C'est ce qui est le plus important aujourd'hui. Vous prenez les pays qui ont commencé à prendre déjà les mesures avant même que la crise n'éclate, depuis le mois de janvier. Vous avez les pays comme la Côte d'Ivoire, qui depuis janvier a déjà fait au moins 3 conseils de ministres. Par exemple, la Côte d'Ivoire a plafonné les prix des denrées alimentaires, les prix des produits tels que le riz, le lait, le sucre. Ces prix ont été plafonnés depuis le début du premier trimestre 2022, avant même l'éclatement de la crise. Dans d'autres pays, je prends à tout hasard comme ça le cas de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Dramane Ouattara, face à la vie chère, dans ce pays-là, a multiplié des mécanismes. Un exemple qui a été pris, c'est le cas du SMIC, qui est passé de 60 000 à 75 000 francs CFA. Il faut rappeler qu'en 10 ans, le SMIC en Côte d'Ivoire a doublé, puisqu'il était pratiquement de 36 000, 38 000. Il a 75 000 francs aujourd'hui. Est-ce que la Côte d'Ivoire ne peut pas inspirer le Cameroun en matière de lutte contre la vie chère et surtout en matière de stratégie de développement économique? Comment vous pouvez comprendre? La Côte d'Ivoire, le 1er janvier 2023, a décidé de la hausse du SMIC à 75 000. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire est vraiment au paradis, ou bien on n'a pas les mêmes problèmes exogènes qu'on nous cite, la guerre en Ukraine. La Côte d'Ivoire ne connaît pas la guerre en Ukraine. Ils sont au FMI. Ils sont contrôlés aussi par les institutions de Bretton Woods. Mais ils ont décidé de manière souveraine que nous décidons que nos populations souffrent et nous allons faire ceci. Cité des affaires, c'est l'heure de la pause déjeuner. Ici, les échanges portent sur les mesures prises par le chef de l'État en leur faveur, en l'occurrence la revalorisation de l'allocation familiale. La mesure concerne les enfants de 0 à 21 ans et prend en compte 6 enfants. Les retraités du secteur public sont aussi concernés par cette décision. Eux bénéficient d'une allocation de 5 000 francs par enfant. Il a fallu le gouvernement actuel pour pouvoir rehausser toutes ces choses-là. Et franchement, nous avons applaudi ça.